contre le pouvoir de l'assiette. L'assiette tue plus que la guerre. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu mourras. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission qui sera consacrée spécialement à la question alimentaire parce que l'heure vient où les gens seront tués non seulement par les médicaments, mais aussi par l'assiette. De la même manière que Jésus-Christ avait rétorqué, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Les questions aujourd'hui, dans notre numéro très spécial consacré à la sécurité alimentaire, de suivre religieusement notre invité qui est le docteur Désiré Bombilé. Il est sexologue, pasteur, nutritionniste et auteur de plusieurs ouvrages entrés à la nutrition ou à l'alimentation. Enfin, il est massothérapeute. Nous le recevons en sa qualité de nutritionniste et auteur de plusieurs ouvrages sur la nutrition, bien entendu. Docteur Désiré Bombilé, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes sexologue, pasteur, nutritionniste et auteur de plusieurs ouvrages entrés à la nutrition. Et enfin, vous êtes massothérapeute. La sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement l'autosuffisant comme on peut le remarquer, mais c'est aussi d'autres aspects qui engagent. Bon, avant tout, j'aimerais d'abord que nous puissions commencer avec la définition de ce concept qui est la sécurité alimentaire. Merci beaucoup. Comme le mot l'indique, sécurité alimentaire, et nous voyons dans la vie courante, nous parlons de la sécurité des gens et de leurs biens. Et ce sont des militaires et des policiers qui agissent pour faire en sorte que le peuple se trouve dans la quiétude. Et la même chose, il y a aussi la sécurité qui doit être remarquée dans l'assiette. Parce que comme vous l'avez épinglé au début, là, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les choses que nous mangeons peuvent nous faire du bien, peuvent aussi nous détruire. Raison pour laquelle on veille à ce que le peuple vive dans la sécurité alimentaire. Donc, par sécurité alimentaire, nous voyons un peuple qui mange d'abord suffisamment bien et puis il mange des aliments de bonne qualité. C'est-à-dire un peuple qui a la facilité d'accéder à avoir tout ce dont il a besoin. Il a des moyens économiques lui permettant d'acheter ou de manger tout ce qu'il a besoin. Il y a l'abondance des aliments où chacun peut se procurer comme il veut. Et de l'autre côté, il y a aussi la qualité des aliments qui doivent être aussi meilleurs pour que la santé ne soit pas dérangée. Merci, docteur. Mais avec ce que je comprends, en dehors de la sécurité alimentaire, il y a aussi les contenus ainsi que l'hygiène. Oui, parce Donc, que quand on parle d'autosuffisance, ça c'est un aspect. un autre Un aspect. autre aspect, il y a aussi l'aspect contenu Contenu. des aliments. Dans les contenus, maintenant, ça c'est Voilà, la dans les question. contenus des aliments, nous avons la qualité La des qualité. aliments et puis l'hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire. Voilà. Bon, restons d'abord dans les contenus, des aliments. Qu'est-ce que peut-on manger en termes de contenu? Parce qu'on mange toujours comme Vous d'habitude. savez, dans les termes alimentation, il y a différence entre alimentation et nutrition. Alors, la nuance est que l'alimentation, c'est beaucoup plus les aliments que nous voyons dans nos propres yeux, ce qui est visible. Par exemple, les ananas, les avocats, les pains, ça, ce sont des aliments. Mais dans chaque aliment, il y a des contenus qu'on appelle des nutriments, qu'on appelle des valeurs nutritionnelles. Et ces contenus-là, ça peut être des vitamines, des protéines, des minéraux et tant d'autres. C'est ce que le corps a besoin pour fonctionner. Quand je mange mon pain, dès que quelqu'un arrive dans le corps, il y a un travail de métabolisme qui se fait. Le corps va retirer des bonnes valeurs et puis le reste là, ça sera passé par la toilette. Mais ce que le corps retire là, c'est ce qui est plus important. Raison pour laquelle on insiste sur les contenus pour dire qu'il ne faut pas seulement dire que j'ai bien mangé, ou non, il faut seulement dire que j'ai mangé, j'ai rempli le ventre, mais en réalité, vous n'avez rien amené dans le corps. Parce qu'il y a différence entre manger et nourrir. Vous comprenez? Manger et nourrir le corps, c'est deux choses différentes. Je peux manger en mâchant quelque chose, j'avale, oui, c'est bien, mais il faut que ce que je vais manger regorge des valeurs nutritionnelles que le corps va récupérer.
Est-ce que ce que j'ai mangé, j'ai pu avoir les protéines? Est-ce que ce que j'ai mangé, j'ai pu avoir des vitamines? Est-ce que j'ai mangé, j'ai pu avoir des minéraux que le corps va bénéficier? Ou j'ai mangé seulement les contenus vides? C'est ça le problème. Donc les contenus, c'est-à-dire il ne faut pas seulement qu'on dise que non, on a produit autant de sacs de riz, on a produit autant de poissons, on a produit... C'est pas seulement ça. Il faut qu'on se rassure que ce qu'on donne à la population, il y a des contenus qui peuvent être récupérables. Vous allez remarquer avec moi qu'aujourd'hui, que ce soit dans le monde animal ou le monde végétal, vous allez remarquer qu'il y a... Vous avez, dans votre livre, vous avez aussi parlé de ces deux mondes-là, oui, distincts, donc voilà. Le monde animal et le monde et végétal. Vous allez remarquer avec moi qu'aujourd'hui, avec le système de ce que les Congolais disent, de Konan, de l'eau, Bouka, de l'eau, les gens veulent faciliter toutes choses avec des produits chimiques qui font pousser rapidement les légumes. Il y a même des OGM aujourd'hui avec des organismes génétiquement modifiés. Vous allez voir des fruits et des gros volumes comme ça. Voilà. Mais en réalité, à l'intérieur, il n'y a rien. Vous voyez. Il y a ce qu'on appelle des substituts aujourd'hui. Vous savez, avec les saisons, il y a des fois des fruits qui disparaissent à une saison quelconque. Alors, il y a maintenant ceux qui sont plus intelligents, pour ceux qui veulent dépasser bien l'intelligence, commencent à créer ce qu'on appelle des substituts. Vous allez voir qu'il n'y a pas des oranges sur les marchés, mais vous retrouvez devant les oranges. Ça vient d'où? On a créé des graines à partir des laboratoires où on appelle des substituts qui remplacent les oranges au mois de la pénurie. Vous allez voir aujourd'hui des légumes qu'on a semés les lundis et les vendredis déjà on a récolté. Alors, vous allez remarquer encore plus dans le monde animal, un veau d'une semaine, mais qui a pris des poids comme s'il a fait déjà 10 ans. Voyez un peu. Tout ça, ce sont des mécanismes qui vont à la longue déranger la santé de la population. Pourquoi? Parce qu'on veut beaucoup plus l'argent, on veut beaucoup plus, on est plus cupide et qu'on n'a pas de soucis de la population. C'est pourquoi les contenus, on doit veiller sur les contenus pour assurer réellement la sécurité alimentaire. J'aimerais bien aller sur l'aspect hygiène, mais vu le temps, je veux directement que nous puissions aborder cette question. Est-ce qu'avec une telle matière, pleine de complexité, il y a d'abord les aliments, d'abord les végétales, il y a aussi les animaux, mais tout ça, on voit qu'actuellement, il y a des produits chimiques, toxiques même. Que faites-vous réellement pour sensibiliser la population? Est-ce qu'il y a-t-il un moyen ou une vision pour aider la population à comprendre? Mon frère Flaquin, nous sommes tellement préoccupés par cette situation. Et nous, comme nutritionnistes, notre vocation, c'est protéger la population par rapport à l'alimentation. Donc, c'est-à-dire comme les militaires protègent la population et leurs biens par rapport aux voleurs, par rapport aux ennemis, et la même chose, nous, comme nutritionnistes, nous protégeons la population par rapport à ce qu'ils doivent manger. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire de notre mieux pour organiser une série de campagnes de sensibilisation pour aider la population, non seulement à veiller à ce qu'il mange, mais savoir faire un bon choix de son assiette. Ne pas consommer parce que ça se présente devant moi à bas prix, mais que je sache que ma vie dépend de ce que je vais mettre dans ma bouche. Donc, je ne dois pas manger n'importe quoi, je ne dois pas consommer n'importe quoi, même si c'est à vil prix, mais au moins que j'ai choisi ce qui est bien pour moi, pour ma santé. Parce que si je ne fais pas un bon choix, demain, j'aurai des problèmes avec ma santé. Raison pour laquelle nous allons passer dans des camps militaires, dans des hôpitaux, dans des universités, les écoles, les places publiques, voire aussi quelques institutions de la République, comme l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale. Et puis, on a ciblé d'autres partis politiques où on sera avec leurs militants pour conscientiser que ce soit les dirigeants de partis et leur population sur la sécurité alimentaire. Parce qu'on ne peut pas développer un pays avec un peuple malade. On ne peut pas penser avoir un pays fort avec un peuple malade. Raison pour laquelle les secrets de la bonne santé résident à l'assiette. C'est là où nous attaquons. Les secrets de la bonne santé résident à l'assiette. En tout cas, cette question est vraiment préoccupante. J'aimerais, avant que nous puissions, parce que nous tendons vers la fin, vous nous puissiez
citer quelques maladies, parce que je me rappelle que en tout cas la population congolaise en souffre, mais elle est ignorante. Alors toutefois, vous pouvez énumérer quelques maladies, ça et là, pour éclairer la lanterne de la... Oui, nous avons par exemple l'hypertension artérielle aujourd'hui, qui bat son record avec des aliments trop salés, et surtout avec des aliments qu'on appelle des transformations industrielles, comme des shawarma, des pizzas, des hamburgers, des charcuteries. Toutes ces choses-là contiennent beaucoup de gras, beaucoup de graisses, pardon, et puis beaucoup de sel. C'est déjà un problème de santé. Nous avons aujourd'hui des viandes rouges avec des graisses saturées. Ça amène des cholestérols et la conséquence aujourd'hui à des AVC partout dans la ville. Nous avons le diabète qui a pris aussi de l'ampleur parce que beaucoup de jus que nous consommons ici, on a cité le monde végétal et le monde animal, mais on n'a pas cité le monde des breuvages. Là aussi, c'est un autre problème aussi sérieux avec tous les jus en plastique qui pullulent dans la cité aujourd'hui. Ça amène aussi beaucoup de problèmes sérieux de santé, non seulement des diabètes, mais aussi des insuffisances rénales. Donc, il y a tellement de maladies et où nous voulons vraiment aller sur le terrain pour sensibiliser la population parce que nous voulons avoir un peuple demain fort en bonne santé. On est laissé mourir comme ça. Quel avenir pour la nation? En tout cas, nous, quand on était encore petits, il y a certaines maladies qui ne savaient même pas si voilà. C'était ou pas. Mais c'était des maladies rares d'ailleurs dans la société. On voit plusieurs cas et puis on n'est pas surpris avec certaines personnes même victimes à leur fleur d'âge, tout ça. En tout cas, c'est un phénomène qu'il faudra tout faire pour lutter contre cela. Et je vais profiter pour annoncer cette nouvelle. Il est demander à tous les auteurs, les écrivains, de festoyer avec FAST à l'occasion de la journée mondiale du livre et des droits d'auteur qui est célébrée le 27 avril de chaque année. Lieu de la rencontre est situé au niveau sur l'avenue Tombalibaye numéro 43, référence en face de la banque TMB. Donc vous pouvez contacter ou vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Je salue aussi en passant Selemani Mwati Kabale, qui est donc l'initiateur de cette activité. Docteur, je reviens à vous. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce qu'on a pu parler durant cette... Oui, on a dit simplement que nous voulons que les peuples soient dans la sécurité alimentaire. Pas seulement manger bien, et pas seulement manger tout ce qui se passe devant nous, mais manger mieux. Et pour manger mieux, nous devons veiller à la qualité de ce que nous consommons. Que ce soit du côté contenu, il faut que l'aliment que je mange ait des matières nutritionnelles qui peuvent aider mon corps à être en bonne santé. Parce que je ne peux pas dire que non, je viens de manger, peut-être les kamundé, les chikwang, et puis boire beaucoup d'eau. Je vais me poser la question, qu'est-ce que je peux amener dans mon organisme? Ce sont des erreurs comme ça. Il faut consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Mais encore une question, il faut savoir faire un bon choix. Parce qu'aujourd'hui, il y a des légumes qui contiennent beaucoup de produits chimiques. Il y a des fruits qui sont ce qu'on appelle des OGM, qui peuvent aussi à la longue détruire la santé. C'est pourquoi nous pensons organiser des grandes actions d'envergure dans la ville pour sensibiliser la population à faire un bon choix de son assiette pour sécuriser sa santé. Parce qu'on fait signe qu'il y a encore une petite minute, donc je ne sais pas, est-ce que je vois votre structure va se mettre plutôt en place pour sensibiliser, mais il y a aussi une préoccupation. Est-ce que les autorités compétentes qui sont de l'OCC, parce que il y a tout un système qui est installé derrière tout ça, est-ce que vous avez aussi des lobbying menés auprès de ces autorités-là pour mettre ferme pour les sensibiliser aussi? Nous avons écrit. Les victimes de ceux qui on leur propose. Oui, nous avons écrit à presque toutes les institutions. Il y a des institutions qu'on a écrit pour informer. Il y a d'autres institutions qu'on a informées pour arriver à travailler avec eux. Informer aussi, prendre des mesures, c'est ça? Oui, c'est ça. Pose. Parce que par exemple, à l'OCC, nous avons un travail à faire avec l'OCC pendant notre campagne. Et nous leur apporterons un rapport de ce que nous avons pu déjà constater dans les différentes milliers, et on va les apporter un rapport pour donner certaines recommandations, parce que à la fin de notre sensibilisation, nous avons des recommandations à faire, que ce soit aux autorités compétentes qui peuvent se décider, et pourquoi pas aussi ceux qui doivent se mettre au travail. Mais le problème, c'est que nous sollicitons
l'accompagnement des autorités, l'accompagnement des gens de bonne volonté. Parce que vous savez, de telles actions, ça nous demande beaucoup, beaucoup d'efforts et puis beaucoup de moyens, mais nous sommes limités. Nous sommes Action des Nationalistes du Congo, je suis le président des Nationalistes du Congo, mais nous souffrons parce qu'on n'a pas assez de moyens pour réaliser cette grande vision que nous vous avons. Vous avez un siège, votre siège c'est où? Notre siège se trouve sur 4e rue, numéro 14, quartier Kimbangu, commune de Kalamu, juste derrière marché Mariano. Vous êtes en contact avec certains nutritionnistes? Oui, tous les nutritionnistes du pays sont sous ma supervision. Il y a ceux qui sont à Kinshasa, il y a ceux qui sont aussi dans les provinces, parce que nous sommes presque dans toutes les provinces, et moi je suis le coordonnateur national, il y a d'autres dans le niveau des provinces. Ici à Kinshasa, nous avons des directions, au moins au niveau national, il y a d'autres qui sont au niveau provincial. Mais maintenant, là, nous travaillons non seulement avec la province de Kinshasa, mais aussi avec la province de Lualaba, la province de Haut-Katanga, Nord-Kivu et Sud-Kivu, Kananga, ainsi que Mbujimayi. Donc nous serons à ce terrain, dans toutes ces provinces-là, pour travailler dans ce sens-là. Et nous demandons le soutien et l'appui des gens de bonne volonté pour que cette campagne soit menée jusqu'à la fin. Nous, en tout cas, en tant que organe de presse, nous allons donc adhérer à votre vision parce que ça fait partie. Oui, nous vous demandons aussi de nous accompagner pour la couverture des travail grandiose d'ailleurs, parce qu'à vous seul, ça sera suffisamment, pratiquement impossible. Parce que tout le monde ne sera pas aussi sur le terrain quand on sera dans le travail. Il faut restituer ce qu'on pourra faire là-bas. Justement, c'est ce que nous de voir comment est-ce que vous accompagnez par rapport à notre niveau pour atteindre mieux vos objectifs, parce que ça fait pas de l'intérêt supérieur de la nation. Je rappelle que il y a une invitation, voilà, il est demandé à tous les auteurs écrivains de venir festoyer avec FAST à l'occasion de la journée mondiale des livres et des droits d'auteur, célébré le 27 avril de chaque année, lié des rencontres à Avenue Tombalbaye numéro 43, en face de la banque TMB. Vous pouvez contacter au numéro qui est affiché au bas de votre écran. M. Slimani Mouati Kabale fait partie des comités des organisateurs, donc vous serez bien accueillis et vous êtes d'ailleurs bienvenus. Je pense que tout est dit, nous sommes arrivés à la fin, derrière la caméra. Donc je vous remercie, chers spectateurs, pour votre fidèle attachement que nous a accordé pendant ces vingtaines de minutes. Remercie également Kérité Toubilando qui était derrière la caméra, Moron Zambé à la réalisation comme toujours, et enfin Ludou Montiri à la production. Donc bye bye, passez une bonne journée.